Le changement climatique pose un sérieux défi aux pays en développement. L'adaptation à celui-ci nécessitera des fonds importants. Diverses sources de financement international sont maintenant disponibles. Mais comment cet argent atteint-il les populations locales qui ont des idées basées sur des expériences susceptibles de répondre à leurs besoins spécifiques pour réduire les impacts du changement climatique? La décentralisation des fonds d'adaptation au climat se base sur des systèmes de gouvernance déjà en place pour allouer les fonds de manière à renforcer les communautés et construire la résilience au changement climatique. Avec les populations locales ayant une connaissance endogène pertinente et qui décident des priorités, les fonds peuvent parvenir aux plus vulnérables au changement climatique. Les gouvernements de ces pays ont mis en place des fonds décentralisés pour l'adaptation au climat dans certaines de leurs régions en tant qu'approche pilote. Ces initiatives pilotes sont actuellement financées par le UKAID du gouvernement britannique. Mais à l'avenir, cette approche pourrait être utilisée pour accéder au financement climatique international et assurer une meilleure distribution des fonds une fois que les bons systèmes sont en place au niveau national et local. Pour s'assurer que les populations locales en bénéficient, 90% de chaque fonds sont attribués aux investissements dont l'ordre de priorité est donné par les communautés et les autorités locales et 10% sont utilisés pour gérer les fonds. Ceci permet une bonne valorisation de l'investissement. Des comités chargés de la planification de l'adaptation sont créés à la fois au niveau communautaire et au niveau du gouvernement local. Au niveau communautaire, les comités sont mis en place par les communautés sur la base des connaissances individuelles des membres. Ces comités tiennent des consultations à l'échelle locale sur les meilleurs investissements dans les biens publics. Ils les hiérarchisent ensuite en fonction de critères élaborés avec les communautés. Par exemple, les investissements doivent renforcer la résilience au changement climatique, bénéficier à de nombreuses personnes et prendre en compte les différents besoins et modes de vie des hommes et des femmes. Ces investissements sont financés par les fonds d'adaptation au climat. Ils comprennent par exemple l'amélioration des sources d'approvisionnement en eau afin qu'elles puissent stocker l'eau pendant des périodes plus longues. Le soutien aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et autres afin qu'ils se rencontrent pour négocier l'utilisation partagée des ressources. Par exemple, avec la mise en place de réserves de pâturage pour le bétail pour les périodes de sécheresse. Et la recherche et la facilitation de l'accès à la vaccination contre les maladies du bétail, dont la prévalence a augmenté à cause du changement climatique. Au niveau du gouvernement local, le comité chargé de la planification de l'adaptation est constitué de membres de l'administration locale et de membres de la communauté. Il fournit des conseils et une assistance technique au comité communautaire et priorise les investissements financés par les fonds et qui doivent contribuer à l'amélioration de la résilience des communautés locales au changement climatique. Par exemple, en finançant l'accès à l'information sur le climat pour aider les agriculteurs et éleveurs à mieux gérer les conditions climatiques qui sont variables et imprévisibles. Avec une mise en place au niveau local de mécanismes de financement et de planification pour l'accès au financement climatique, les communautés et gouvernements nationaux seront dans une bien meilleure posture pour faire face aux impacts du changement climatique. Pour en savoir plus sur les fonds d'adaptation au changement climatique décentralisés,